Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Mixé Paradox, et on se retrouve pour ce 9e peut-être épisode de notre aventure sur Minecraft Dungeon. J'espère que vous allez bien. Dans le précédent épisode, on s'était fait le temple du désert qui avait l'air sympa, bien que enfin qui était assez dur mine de rien, et on avait pas mal galéré. On a également obtenu on a obtenu pas mal de choses, donc je vous propose que dans un premier temps on fasse un petit peu de tri. Ça, on va tester à la place de ça, voir ce que c'est. Ok, ça me crée un aura en fait qui me protège. Ok. Ouais, bah ouais, à la place de ça. Les hallebardes, j'aime pas du tout jouer avec. Mais après, on passerait à 33. Non. Parfait. Ensuite, on va essayer d'acheter des épées. Oups, il nous faudrait vraiment une bonne épée. Ouais, en soi, on va équiper ça. Ça, c'est mieux. Donc, du coup... Tac, on va pouvoir détruire ça. Tac. On va mettre ça comme ça. On va même l'améliorer deux fois en fait. Voilà. Bah celui-là me paraît mieux. On va prendre celui-là. Donc voilà, on prend un petit peu de temps au début de cet épisode. Tac. Ok, on va prendre tir perçant, accélération, voilà. Oh, ça peut être pratique, ça va nous être pratique, nous qui sommes pas mal en rate de flèche par moment. Après, en soi, on n'a toujours rien. Question épée, qui m'intéresse. Ok, donc je vais vendre tout ça, on se retrouve juste après. Tac, on va racheter. Mais on a ça qui fait 32. C'est des dagues. Et on a ça qui fait 34. Ok. Donc, déjà. En soi, il y a combien de différences? Il n'y a que 1 de différence. Non, ça vaut pas le coup. Par contre, ça, on va mettre. Parce que c'est clairement mieux. Mais du coup... Du coup, par contre, on n'a plus de vampirisme. C'est vrai que c'est pas cool, ça. Mais bon. On n'a pas le choix. On a quoi? On a le nuage de poison, on a l'étourdissement. Ouais. Bon, on va se débrouiller comme ça. On n'a pas le choix. Parce que sinon, on va faire trop peu de dégâts. Donc, alors. Augmente les dégâts infligés contre les ennemis déjà blessés. Non. Chance d'étourdir temporairement. Ok. On va mettre le nuage de poison au niveau 3. Ok. Et on va augmenter quoi? Et par contre, on va augmenter la synergie. Tac. Voilà. Ok. Bon. On est parti du coup dans ce niveau. Donc dans le prochain niveau. Qui s'appelle Forge Ardente. C'est parti. J'espère en tout cas voilà, que vous allez bien. Excusez-moi encore pour ce début d'épisode. Mais bon, c'était important. C'est parti. Colors weave into a spire. Distant sparks call to a past still unnamed. That is torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Donc maintenant on a même en mode difficile, on est supérieur. Vu que c'est 31, on est à plus de 31. La forge ardente. Classe. La joie y construit de monstrueuses machines qui dévastent les villages de la surface. Vous devez l'arrêter. Frappez avec tout ce que vous pouvez pour démolir cette forge. Oula. Un gros monsieur. Je crois qu'on en a déjà battu des comme ça. Ah, voilà, on tape déjà beaucoup plus vite, ça me plaît. Bon, par contre, on a perdu beaucoup de régène. Donc bon,
On va essayer de faire attention, bon ceci dit, voilà. Oui, c'est bien mieux. Enfin, surtout pour moi qui joue beaucoup avec les dagues. Tac. Parfait. Du coup, notre épée, elle avait quoi? Ah oui, elle a que le nuage du poison. Ça c'est dommage. Que niveau enchantabilité, elle est pas terrible. Mais bon. Tac, par contre, on a pas été voir par là. Y'a rien. Ok. C'est pas du tout ça que je voulais. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais ça. Bon, par contre, on va faire gaffe. C'est dégueulasse. Pile contre ma protection à part. C'est pas grave. Et puis je réapparais sur lui. C'est pas grave. Et ça va être chaud. Putain, on va recrever. Oh mon dieu, la taille des flèches. Ok. Bon. Ça va être compliqué. Ok, venez tous avec moi. Venez. Viendez. Ah oui, non, ok. Ok, tout à l'heure on soignait nos animaux avec la popo parce que justement c'est une de nos compétences. Maintenant c'est plus le cas. Mais bon, c'est bien que ce soit difficile. Hop. Quand c'est trop facile, c'est pas bien non plus. Voilà. Et puis ça passe. Enfin, faut qu'on fasse juste un minimum un peu attention. Mais sinon ça passe en vrai. C'est pas non plus impossible. Bien qu'on manque clairement par contre de régène. Ok, quelques flèches. Ok. Par contre, dès qu'on peut, on va prendre une popo. Ok. Mon dieu. Ça va être compliqué. On continue. Oula. Bon, ça va se réveiller, à coup sûr. Tac, ok. Ça passe pour le moment. Tac. Ok, en vrai, ça passe. Voilà. C'est que l'avantage qu'on a, c'est qu'on tape vraiment super rapidement. Vous pouvez voir que j'ai dit que ça passait, là on va crever. Non. Quand même pas.
Ok. Quelques émeraudes. Oui, du coup, on a... Bon. On a dépensé masse d'émeraudes au début de l'épisode, mais bon. C'est fait partie du jeu aussi. Voilà, on dépense de l'émeraude pour s'acheter un maximum d'équipement. Mon Dieu. Ok, parfait. Une caisse de ravitaillement et du pain. Ok, non, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Tac. Oh, là il y a une... Là il y a un passage. Ok, donc là c'est du secondaire. Mais bon, ça peut nous donner des équipements assez intéressants en fait. Quoi? Ah non, elle est morte. Ok. Pourquoi le creeper? Oh mon Dieu! Le creeper qui nous attire à lui. Part du nombre de dégâts que je prends. Tac, dégage. Là, y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Boum. Arrête de booster les gens. Non, 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 non. J'ai dit non. Non, mais oh. Comme dingue ça. Aïe! Oh purée! Tac! Des émeraudes. Et on a tout vu. Ok, on peut partir. Oh non, il y a des flèches là. Tac, récupérons. C'est important. On va tout de suite boire la popo. Et on peut repartir. Oh! Vous avez ramassé un grand marteau qui fait autant de dégâts que moi. À voir comment ça tape en fait. Et il a quoi ce gros marteau? Étourdi, butin. En vrai, on tenterait pas de jouer un petit peu avec le... Vu qu'en vrai, on tente. Allez, on tente. On regrettera peut-être un jour. Donc du coup, est-ce qu'il y a un effet spécial? Oh! Non. Putain, par contre, il est beau.
Oh oh! Et on a un arc puissant. Ok. Ok, donc faut aller dans les zones secrètes un peu. Il y a des coffres secrets. Vu que c'est des zones secrètes. Ok, oui, ça fait mal de dégâts. Mon Dieu. Allez, on dégage. Oh purée, l'enfoiré. C'est toi là. Voilà, oust. Oh, de la TNT. Enfin, une TNT. J'adore ça. J'adore le marteau. Vous me voyez pas? Ou si vous me voyez? Mon Dieu, vous êtes beaucoup. Mon Dieu. Putain, je suis dans la lave, mais je suis... Ok, shit. Ok. J'ai compris, on arrête de faire le mariole. Venez pas, s'il vous plaît. C'est moi, c'est un trident. Non, c'est des flèches. Comme elles sont grosses, on dirait des tridents. Bon voilà, par contre c'est le temps de recharge du marteau qui est assez énorme, mais bon. Sinon en vrai c'est une bonne arme le marteau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette arme. J'adore. Oh purée, mon Dieu. Avec force. C'est trop bien, j'adore les marteaux. C'est pour ça, en vrai, le début pouvait paraître compliqué, mais au final, bah depuis qu'on a le marteau, ça se passe plutôt bien. Donc c'est pour ça, enfin, c'est compliqué, mais en même temps, dès qu'on trouve les outils nécessaires, dès qu'on trouve les armes nécessaires, ça se passe assez bien. Dégage. Ok, on a une peu de force là. Wow. C'est moi la manette qui a vibré sur la table. Enfin, sur mon bureau. Où est le cochon? Je sais pas, j'ai perdu le cochon. Bon, tant pis. Tac, on va prendre ça. Voilà, au moins on revient full vie. Il y avait rien ici? Il y avait rien. Ok. Dégagez. Dégage. Mais non, c'est ça que je veux. Putain, les aimants tout le monde volait partout.
Dégage. Dégage. Personne ne restera sur mon passage. C'est trop bien, n'empêche. Et on est bientôt niveau 25. J'ai vu des gens qui sont déjà au niveau 100. Bon, honnêtement, enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Ouhou. Voilà. Oh. On a une nouvelle épée qui fait un point de dégâts de plus, mais qui est pas, qui m'intéresse pas honnêtement. Bon, oups, je vais rester au marteau. Qu'est-ce que je viens de faire? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Ok, bon, on continue. Et ouais, marteau, j'aime beaucoup. Voilà, on... C'est vrai que la vitesse de... d'attaque est réduite, mais bon... Oh, une popo de rapidité. Parfait. Oh, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Mais... crève au bout d'un moment. Je crois que c'est ça en fait qui fait de gros dégâts. Ouais, c'est ça. Ok, là, il y a un golem. Il est coincé. On le touche quand même là ou pas? On le touche. Bon bah écoutez, on va le faire de la manière lâche. Dégage. Tac. Voilà, au moins on prend, au moins, pardon, on prend pas de risque. Tac. Oula. Parfait. Du coup, par là, est-ce qu'on a tout fait? C'est un vrai labyrinthe, donc c'est assez compliqué de savoir ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait. Mais bon. Oula, attendez. Trop de trucs. On a eu un nouveau marteau, qui est exactement le même que moi. Ok, ça c'est au max, ça c'est pas au max. On va peut-être augmenter peut-être l'accélération. Voilà. Après on a... oui non, on avait vu ça. Non c'est bon. Oh purée non. C'est pas bon du tout.
Bah alors, ça fait moins le malin quand c'est plus enchant. Ça fait moins le malin quand c'est plus enchant. Genre même un comme ça, j'arrive à le one shot maintenant. C'est un peu abusé, mais bon. Nous nous en plaignons pas. Où est la suite? Putain, mais barrez-vous! En fait, les squelettes sont pas compliqués à battre, ils sont juste trop lourds, parce qu'ils font des dégâts en fait. Enfin, c'est des petits dégâts, mais ça, plus ça, plus ça, et bah ils deviennent relous. Oh! Pop-Torse. Tac. Je suis sûr que même un squelette enchanté, je dois peut-être le one-shot, en vrai. Vu comment les squelettes sont nuls. Mince, je croyais t'avoir tué, toi. Tac, ok, donc là, il va y avoir une nouvelle vague de mobs. Que vous. Bon, ça va, en vrai. Ok, bah alors c'est bon. Si en plus on me donne tout ce qu'il faut pour les one-shot. Là, et oh, j'ai pas vu ma vie. Enfin, je viens de voir ma vie. Qui a bien descendu quand même. Donc à faire attention. Alors que j'ai mon œil qui me gratte. Voilà. Salut. Bonjour. Nouvelle popo de force, bon. Carrément. Faire gaffe quand même. Ouais, il faudrait deux coups pour one shot un squelette a priori. Un squelette enchant. Bon bah j'ai compris. Je suis resté juste à côté, je suis débile. C'est ma faute, là c'est moi qui fais n'importe quoi. Et mon dieu, il y a du monde quand même. Ils vont me requiller là. Ils vont me requiller les enfoirés. Ah ouais, non mais la mort bête qu'on a eue. C'est pas grave. Ok, on back un petit coup. Ouf, tu m'as fait peur.
Purée, mais hé, oh, on se calme. Ok, on a une pomme là. Bon. C'est bon? Calmé? Non mais où? Purée. Bah super, le code de provision. Quand on est soigné. C'est pas grave. Enfin, vaut mieux ça que... Toujours bon à prendre. On crache pas dessus. La petite popo de force, bon, qui nous sert en soi à rien, vu que ça n'est que des squelettes et qu'on les one shot quoi qu'il arrive. Mais bon, encore une fois, on crache pas dessus. On crache pas dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh purée! Ok. Tac. Ok, donc là on a tout fait. Ce qui vient de bien, c'est que maintenant, voilà, on utilise vraiment plus beaucoup de flèches en fait. Ça, c'est plutôt cool. Viens là, s'il te plaît. C'est pas que je veux pas, mais voilà. Oh purée! Oh non! What? Ok, par là. C'est bon. Oula, eh oh. Oh. Voilà. Mon Dieu. Utiliser le monte charge de la mine, ok. Help me, s'il vous plaît. Ça va être de mourir maintenant en fait. Maintenant qu'on a battu le boss.
Putain, mais je vais vraiment mourir en fait. Je suis tombé à la lave. Si vous mourrez, la partie sera terminée. Je compte pas mourir. Ok. Phew. Tac, ok, forme ombre, parfait. Dégage. Tong. 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 Voilà. Bon. Ok, on... Voilà, on s'en fout, on se les fait enchanter nous. On est comme ça nous. Ok, bon bah on remonte. La forge ardente est détruite et les engins des villageois ont été éliminés. Bon, par contre, on en parle de cet épisode qui fait 40 minutes encore. Mon dieu. Excusez-moi, ça arrive de temps en temps, on se fait déconnecter. Je sais pas pourquoi. Totem de régénération. Oh, mais c'est Groot. Totem de régène, ça m'intéresse un peu plus que ça, déjà. Alors, ensuite. Ouh, on a 38, là. Oula, non. Et qu'est-ce qu'on a? Écho. Augmente les dégâts contre les morts vivants. Ça, c'est cool. À chaque 20%... A une chance de 20% de créer une zone circulaire qui soigne tous les alliés qui s'y trouvent. Sympa. Donc on va... Oula, pas du tout. On va recycler ça. Et on va mettre celui-là. Et on va lui mettre celui-là. Non. Celui-là. Tac, et on va y mettre... ça, et on va mettre foudre avec, ok. Ensuite, bah le reste on s'en fiche. Le reste on s'en fiche. Ah, ça fait 34. Ah oui, non, mais ça c'était dans le champ qui était pas terrible. Quoique après, sur notre amende, on a quoi? Ouais, on a comme de la synergie, et là on a quoi? Quand vous utilisez une potion de soin. Ah. Quand vous utilisez une potion de soin. Et pour combien? Pour 1? Non. On s'en fiche. Ok. Donc maintenant ça. Parfait, ça me donne du soin. Ok. Mais. Ah, quoique. Ouais, non. Pas grave. Bon, bah voilà, j'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode. Et donc, la prochaine fois, on s'attaque à ce niveau. Ok. Et donc, voilà, on a plus qu'a priori deux niveaux. J'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Minecraft Dungeon. Si celui-ci vous a plu, je l'ai dit, mais mettez le petit like, le petit commentaire, c'est vraiment très important. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Oui, je sais pas quoi faire avec mes mains. Voilà, c'est très important pour être tenu informé dès qu'une vidéo sort par notification, parce qu'il y a pas mal de bugs. Enfin, surtout en ce moment, des fois, des gens qui reçoivent pas les notifs,
les notifs. Des fois, il y a des personnes qui y reçoivent en double. Donc c'est bizarre, mais dans le doute, activez la cloche. C'est vraiment très important. Partagez la vidéo aux amis. C'est également très important pour que ceux-ci puissent me découvrir si toutefois ils ne me connaissent pas. Et voilà, qui cherchent notamment un let's play sur pourquoi pas Minecraft Dungeon. Pourquoi pas de leur conseiller ma chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. C'était Para. Rendez-vous demain pour la suite. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye.